Alors Oxa Pollock, c'est l'histoire d'une jeune fille ordinaire qui a un destin extraordinaire. Elle vit dans notre monde aujourd'hui, donc avec toutes les préoccupations d'une jeune fille de 13 ans, avec son cœur qui commence à battre pour les garçons, avec les problèmes avec les parents. Elle découvre en fait un jour qu'elle a des pouvoirs peu communs. Ça bouleverse complètement sa vie. Ça la fait basculer en fait dans une espèce de maturité aussi un peu magique, puisqu'elle doit arriver à concilier ce qu'elle est réellement avec son destin qui est complètement inattendu. Donc elle découvre que sa grand-mère a des origines qu'elle ne soupçonnait pas. Sa grand-mère abrite aussi tout un tas de créatures un peu magiques. Elle ne s'attendait pas du tout à ça. Et puis c'est vrai qu'elle doit concilier, elle doit assumer aussi ce qu'elle est, ce qui n'est pas toujours facile. D'être différent dans notre monde aujourd'hui, c'est quelque chose qui demande à la fois une certaine souplesse et surtout beaucoup d'efforts. D'autant plus qu'elle va s'avérer être la clé qui va permettre à toute une communauté de personnes de retrouver une terre qui a été perdue. Et c'est Oxa qui va leur permettre de retrouver cette terre oubliée, mais qui reste quand même l'espoir de tout un peuple. Quatrième tome qui s'appelle Les liens maudits. Oxa en fait arrive à une certaine maturité, elle a 16 ans. Les choses ont changé, le monde a changé autour d'elle. Elle doit assumer de plus en plus ses responsabilités de jeune femme, de jeune gracieuse aussi, puisqu'elle arrive au pouvoir. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même très difficile aussi pour une jeune fille de 16 ans. Et puis, l'amour s'en mêle dans tous les sens du terme. Elle doit faire des choix, pas toujours les bons. Là aussi, elle doit assumer ses décisions. Donc c'est très compliqué, il y a beaucoup de surprises, des bonnes comme de très mauvaises. Donc les lecteurs doivent s'accrocher très fortement à leur livre et se préparer psychologiquement à avoir des révélations qui vont les laisser un petit peu pantelants, disons. Un cinquième tome en préparation? Oui, cinquième en préparation avec une sortie prévue au mois de novembre. Un sixième. Et puis au-delà de ce sixième tome, il y aura quelques surprises. Un tome zéro, avec un retour sur la jeunesse, l'enfance, la jeunesse de certains personnages qu'on a découverts à maturité. C'est une façon de comprendre un peu ce qui s'est passé réellement pour que les gens soient devenus ce qu'ils sont devenus. Et puis un recueil de contes aussi autour des créatures qui sont assez fantastiques dans ce livre, assez délirantes. Donc il y a une adaptation de certains contes connus, de fables, avec les créatures comme centre. Oui, le projet film, le cinéma, c'est quelque chose de très long. Au départ, on avait dit 2-3 ans, mais en fait, ça prendra plus de temps, puisque nous avons deux producteurs. On a du mal à trouver un scénariste, parce que c'est une histoire européenne avec beaucoup de personnages. Donc il faut trouver la bonne personne. Donc ça va mettre du temps, 4 ans, 5 ans, 10 ans, on ne sait pas. Voilà où on en est avec le film. Bon, il y a d'autres projets, il y a un projet BD et un projet de jeu, genre Warcraft, un jeu en ligne, en réseau. Donc tout ça c'est en préparation, on en parlera plus longuement quand ça sera plus solide en fait.